Oh, ça va. Bon, ça fait bien 40 ans. Hein. Ouais. Au moins 40 ans. Ouais, je suis sûr. Plus de 40 ans, j'en suis même certain. 40 ans que j'en avais pas mangé. Et puis l'autre jour, je sais pas ce qui me prend. Une envie soudaine, là, comme ça, j'en prends un paquet. Je sais même pas pourquoi, c'est bizarre. J'en prends un paquet, et puis j'y goûte. Alors ça m'a évoqué plein de souvenirs. Plein de souvenirs. J'étais gamin. Je sais pas, je devais avoir, je sais pas, moins de 10 ans, quoi, quelque chose comme ça. La première fois, en fait, j'y ai goûté parce que je voulais faire comme papa. Papa, il fumait des gauloises. Alors, évidemment, quand un gâteau porte le nom de cigarette russe, et que ton papa fume des gauloises, qu'est-ce que tu fais? Tu te prends une cigarette russe, voilà, et puis tu fais semblant de fumer comme papa. Faut dire que à l'époque, il n'y avait pas des formules genre fumais-tu, non, non. C'était plutôt le genre faut fumer. Tu vois. Si tu fumes pas, t'es pas un homme. Alors évidemment, sur le coup de 6 ans, tu t'as fauché une gauloise ou deux à ton papa. Et puis t'as essayé ça dans un terrain vague. T'as été malade comme une bête parce que la goldo, quand t'as 6 ans, ça parle même pas. Et puis, comme t'es rentré, que t'étais malade comme une bête, forcément ta mère s'est doutée du truc. Elle a dit à ton père, ce qui fait que tu te fais engueuler, mais qu'on te donne la permission de fumer une cigarette le dimanche quand même. Parce que comme ça, si t'as la permission d'en fumer une le dimanche, eh ben, t'auras pas la tentation de fumer le reste de la semaine. Et puis c'est à partir de 16 ans que je me suis mis à fumer régulièrement. D'abord un paquet par semaine. Moi c'était des gitanes. Sans filtre. Puis, très vite, évidemment, tu passes à un paquet par jour, normal. Surtout qu'après, quand tu vas à l'armée, alors là, on te les distribue, les paquets de cigarettes. Alors ça, l'armée tue, maintenant fumée tue, mais à l'époque, on s'en foutait de te tuer, en gros, quoi. Ben, toujours est-il que j'ai acheté ce paquet de cigarettes russes. C'était pas du tout, mais alors pas du tout ce que je me souvenais. Oh, ça croque bien sous la dent, mais c'est beaucoup moins bon que quand j'avais 6 ans. Ouais, beaucoup moins bon. Mais mes souvenirs, moi, c'était plus... Enfin, moins... Enfin, c'était pas pareil. Pas pareil du tout. Non, non, franchement... Franchement. Et pourtant,
c'est une marque. Enfin, je veux dire, une marque connue de gâteau industriel. Eh bien, moi, je vais vous dire, franchement, eh ben, je vais arrêter de fumer des cigarettes russes. Non, franchement, je crois que je vais repasser aux cigarettes normales.